Les attaques n'ont plus de pouvoir sur nous. Les troubles n'ont pas de pouvoir sur nous. Les oppositions n'ont pas de pouvoir sur nous parce que Jésus est avec nous. Vous n'avez pas à craindre, vous n'avez pas à douter parce que Dieu agit. Comme vous venez de le voir, Dieu se manifeste. Dieu n'est pas un petit Dieu. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il s'appelle Yahvé. Yahvé. C'est-à-dire la vie, c'est-à-dire l'être qui vit par lui-même. Dieu n'a pas de cause extérieure à son existence. Il nous connaît parfaitement avant la fondation du monde. C'est pourquoi on doit être totalement libéré. Regardez, le pouvoir de la pensée, ce qui est possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit ici, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que quelles que soient les attaques, les oppositions, frères et sœurs, tout est possible à celui qui croit. Dieu ne dit pas, tout est possible à celui qui crie. Oh Seigneur, on ne te demande pas de pleurer. On dit, tout est possible à celui qui croit. Il y a deux personnes qui pleurent en pensant que, en pleurant, oh Seigneur, c'est pas ces personnes pitié devant le Seigneur. Non, non, c'est-à-dire que les pleurs, on n'a pas du tout des personnes qui pleurent. On dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Tu passes tout ton temps à pleurer. C'est pas pleurer, mais c'est plutôt croire. C'est très important. C'est croire. Amen. Il faut croire. C'est très, très important. Et Dieu a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, toi tu es là, et jette-toi dans la mer, si la personne ne doute pas en son cœur, et croit que ce qu'il dit arrive là, voyez-vous, la chose va s'accomplir. C'est pourquoi on peut déplacer les montagnes, non pas par les pleurs, non pas par les gémissements, mais par quoi? Par la foi en Jésus, on peut tout déplacer. Quelles que soient les montagnes, on peut les déplacer. Mais il faut les déplacer, il faut savoir où tu les déplaces. Ne dis pas, montagne, sortez. Les montagnes vont sortir. Mais pour aller où? Nous sommes en résumé. Donc il y a le pouvoir dans ta bouche pour faire quoi? Pour chasser ce que l'ennemi a planté dans ta vie. Donc tout ce qui est dans ta vie là, tu peux les enlever quoi? Par la bouche. Si tu constates que dans ta vie, Dieu, l'ennemi a planté quelque chose, c'est pas la peine d'aller ailleurs. Tu peux utiliser la même bouche. Pourquoi tu peux utiliser ta bouche pour utiliser cela? 1 Corinthiens 6, 19 dit ceci. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que vous ne vous appartenez pas. Donc Dieu habite en nous. Donc avec la parole, on peut enlever les choses. Parce que quand il dit à Jérémie, il faut que tu arraches. Il faut que tu détruises. Il faut que tu abattes. Et puis ensuite quoi? Il faut que tu plantes. Donc il faut d'abord détruire, anéantir tout cela. Avant de planter. C'est quoi? Il faut anéantir, détruire et puis quoi? Planter. C'est important. C'est avec la bouche. Dis, je veux me parler quoi? Dans ta bouche. Comme la sœur a cité, Matthieu 4, 4 dit quoi? L'homme ne voudra pas de pain seulement, mais quoi? La parole a son importance. Jean 1, verset 1, au commencement était. La parole était quoi? Avec Dieu. Et Dieu, la parole. Toute chose a été créée par la parole. Et rien n'a été créé quoi? Sans la parole. Donc, avec la parole, on peut tout anéantir, frères et sœurs. Quand l'enfant de Dieu a la parole de Dieu, quelles que soient les attaques, les oppositions, vous avez la possibilité, la capacité, le pouvoir de tout briser. Ayez une foi audacieuse. Ayez la mentalité, voyez-vous, de quoi? De qui est possible. La mentalité. Soyez, que cela soit votre truc de vie, quoi? La mentalité de ce qui est possible. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un talent. Ce n'est pas un cadeau qu'on vous donne. C'est-à-dire vous cultivez consciemment la chose. En croyant par la foi en Jésus au Père. Dieu nous garde. Voyez-vous. Jésus dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu quoi? Tout est possible. Car tout, rien n'est impossible quoi? À Dieu. Alléluia. Donc, si moi je sais que Dieu habite en moi et qu'il me dit rien n'est impossible à lui, frère et soeur, pourquoi craindre? Frère, je vais dire quelque chose. Si vous n'ajoutez pas foi à la parole de Dieu, vous ne pourrez absolument rien faire. Il faut ajouter foi à ce que Jésus dit. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Jésus dit quoi? Il est le cercle. Il est, voyez-vous, il est le cercle. Il dit quoi? Le tronc. Il est le tronc. Et vous êtes quoi? Sarment. Alors, si moi je suis attaché à Dieu, dites-moi, qui peut m'arracher de la main de Dieu? Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de puissance. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, des choses inutiles. Donc je priais pour une seule. Je veux me marier, je veux me marier. Je dis, mais la main de Dieu est sur toi. On prie. Je veux un blanc. Ok. Le blanc arrive maintenant. Il faut le marier. Dieu me dit, ah, tu t'es marié? Oui. Ah,
Alléluia. J'ai dit bonjour à son mari, je sais ça. Il dit, reste fidèle à ta famille. Il me dit, il n'y a pas de problème. Sœur, reste fidèle à ton mari. Il n'y a pas de problème. Il dit, la main de Dieu est sur vous. Allez-y. C'est pas moi qui vais vous dire, c'est une pasteur, mais c'est possible. Quelques temps après, on dit, ah, pasteur, il dit, ah, quoi? Il dit, ah, pasteur. La sœur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, la personne habite à côté de moi ici, là. Elle vient avec une autre personne ici, et puis deux jours après, elle vient. Est-ce que vous comprenez? Puis ma père, pasteur, moi, il dit, je ne prie pas. Comment tu vis? Comment tu vis? Qu'est-ce que vous on ne s'amuse pas avec Dieu. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de pasteurs disent qu'il ne faut pas préciser moi sur la sanctification, la sainteté. Il faut discuter ce qui plaît aux hommes. Je ne dis pas ce qui plaît, je dis ce qui plaît au corps de Dieu. Amen. L'enfer existe. Elle dit, je ne prie pas pour toi. Laisse ce monsieur, tu vas dans la dureté, dans le péché. Je le connaissais avant quand tu es marié. Tu connaissais ce monsieur. Alors pourquoi tu es marié alors? Paul a été clair. Il dit, si une soeur ou un frère vit une telle vie, éloignez-vous de cette personne-là complètement. Frère, on ne s'amuse pas avec la vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez? On vient à l'église pour s'actualiser, pour que tout soit bien avec Dieu. On n'a qu'à prier. On ne prend pas que pour s'actualiser. On accepte Dieu. Voyez-vous, la Bible dit clairement que sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. La Bible dit sans la sanctification. C'est-à-dire que dans tous les messages du monde entier, on doit matin, midi, soir entendre la sanctification.